puis ma mère, elle vient de déménager en ville. Je regarde ça, là, puis il n'y en a pas une de mes amies qui a un fils aussi attentionné que ça. Pas une. Excusez-moi, je suis en retard, mais inquiétez-vous pas, j'ai apporté mes bras. Tu peux-tu demander à Chuck s'il y aurait ça en cuisine? Une mère capable de pas faire sentir à sa fille qu'elle préfère son fils pendant 2 minutes? Maman s'inquiète pour ta santé mentale. Je travaille 70 heures par semaine. Je suis super stressée. C'est normal que j'ai de la misère à dormir. 5 piastres pour un brocoli, hein? Non, mais c'est pas grave. Ça va être tellement bon, là, avec notre steak de mammouth. Oh, je suis tellement contente de vous avoir tous les deux pas loin. Et là, ma petite soeur vient d'aménager dans notre belle métropole. Penses-tu que j'allais laisser passer ça comme dans du bar? Oui, on est venu en petit commando, là. Petit commando, bienvenue. Je suis avec grand-maman. Elle est au Cambodge, c'est fou. Oui, quand est-ce que vous venez me voir? Ta mère, elle rentre à l'université dans 15 jours. Une bande de passionnés de théâtre dans ton établissement, Chloé! Tu sais que maman, c'est ma meilleure amie. Hein? Je pourrais pas passer une seule journée sans avoir de ses nouvelles. Je pense que je viendrais folle. Maman puis moi, on est super proches. Hein? C'est bon. C'est moi qui vais y aller, là. J'essaye de servir du saumon, puis c'était comme si je t'arrivais avec une beurrée de merde. Maman, ça fait 20 ans de cette histoire-là, hein? En tout cas. Quoi? En tout cas.